assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire. Quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olive, sont super entraînés. Olive et Tom, ils sont venus pour gagner. Alors, monsieur Oliver Kahn, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire des quotas? Enfin, tout, qu'est-ce que vous pensez de la version de Laurent Blanc et tout ce barouf? Ah bah, il faut que je vous dise, monsieur, que bon, cette histoire des quotas, moi, ça m'a beaucoup affecté, parce que dans ma profession des footballeurs aveugles, on est quand même bon nombre à se demander qu'est-ce qu'on va devenir. Excusez-moi, ce qui nous affecte beaucoup, c'est que nous sommes là. Et s'il vous plaît, là. Venez par ici. Là, voilà. Ah, pardon. Face caméra. Excusez-moi, bon. J'ai des petits problèmes de vue, comme vous avez pu voir avec ma canne. Bon, donc comme je vous disais, oui, l'histoire des quotas, bah, c'est-à-dire que bon, étant donné que moi je suis joueur camerounais d'origine, puisque mes parents étant camerounais, j'aurais pu jouer pour l'équipe du Cameroun, j'ai directement été contacté par Laurent Blanc, ou Laurent White, comme vous préférez. C'est vrai que bon, mes influences américaines m'auraient poussé aussi à jouer aux États-Unis, mais je n'ai pas été très à l'aise dans les équipes américaines. Pourtant, je leur ai dit que je faisais du football, je me suis retrouvé avec des plaquages, je n'ai pas tout pu comprendre. Ils ont un mode de jeu très violent. Et ça s'appelle la NFL, le soccer, il faut dire, là-bas. Ah, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas... Enfin, vous m'expliquerez plus tard, je ne vois pas pourtant. Ah, c'est vrai que je ne vois pas, c'est triste. Non, le football... C'est-à-dire que les quotas, oui, voilà, pour un joueur noir comme moi... Être sélectionné parce que je suis noir, c'est quand même quelque chose qui m'affecte particulièrement. Alors, c'est vrai que vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai aussi une autre particularité, je suis gardien aveugle, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus énormément dans le milieu. Et oui, alors c'est sûr qu'il a préféré choisir Mandanda peut-être parce qu'il était noir aussi, et après, il ne pouvait pas avoir deux gardiens noirs, c'est pour ça qu'Hugo Lloris se retrouve aujourd'hui gardien de l'équipe de France. Alors que je pense avoir ma place, parce qu'en évoluant dans le football club de la petite ville d'Annecy, eh bien je pense qu'on a toutes nos chances aussi. Vous êtes à Cap d'Agde, excusez-moi de vous reprendre, ou je ne vais pas pour Annecy. Je viens d'être transféré justement, j'ai accepté ce poste dans le Handy Football Club du Cap d'Agde. Ah, d'accord. Parce que justement là-bas, ils acceptent les différences et on a la possibilité de jouer nu.